Et yo les potos, c'est Niamor, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Donc pour me suivre sur mes réseaux sociaux, il y a mon Snapchat qui apparaît maintenant à l'écran. Donc venez me suivre un maximum s'il vous plaît. Ensuite mon compte Instagram, donc pareil venez me suivre, ça fait super plaisir. Et ensuite venez mettre un petit pouce bleu sur ma page Facebook pour savoir quand je live et quand je sors une vidéo. Et pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo et un bon visionnage les potos. Zombie apocalypse. C'est Niamor, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Donc vous savez tous, aujourd'hui on se retrouve pour quelle vidéo? Donc la petite vidéo FAQ, donc je réponds à vos questions. Donc j'ai eu pas mal de questions déjà posées, c'est merci, donc je dis merci quand même. Même si on n'avait pas énormément, mais bon, il y en a toujours assez pour faire une vidéo, donc merci à vous. Donc on envoie tout de suite les réponses. Allez, let's go les potos. Alors la première question c'est pourquoi Niamor? Niamor simplement si tu inverses, enfin si vous inversez, en gros si vous allez envers Niamor ça fait Romain, donc c'est mon prénom en gros, donc voilà, comme c'est dit dans le propos c'est déjà tout son prénom, donc voilà, donc Niamor, Romain à l'envers, voilà, tout simplement. Pow. Ensuite deuxième question, pourquoi j'ai commencé YouTube? Alors pourquoi j'ai commencé YouTube? Tout simplement parce que j'avais plus de travail, donc on se fait chier. Et donc on se fait chier, bah, je me suis dit il faut que je fasse quelque chose et au final j'ai commencé à faire des lives sur PS3, donc au début c'était vraiment la merde. Donc vraiment pas grand chose à faire, enfin c'était vraiment la qualité de merde, donc voilà. Donc en tout cas je remercie quand ceux qui sont encore là depuis le temps que j'ai commencé sur PS3. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, donc tout ça parce que j'avais plus de travail. Maintenant je retourne à travail mais c'est pas pour ça que j'ai arrêté. Je compte continuer pendant un bon petit moment. J'ai quel âge? Donc c'est déjà dit. Donc j'ai 18 ans les potos, donc voilà, vous savez déjà tous normalement, donc 18 ans, voilà. Alors après j'ai eu Monsieur Ray qui m'a fait, quelle est la taille de ton gosier? Alors ma taille elle est C2. Après j'ai eu, quelle étude j'ai fait? Donc j'ai fait un CAP boulanger, donc sur 2 ans, donc je l'ai obtenu il y a maintenant 3 ans je crois, 3 ou 4 ans, comme ça. En 2016, ouais c'est ça, 2015-2016, enfin bref je sais plus. Et après j'ai fait un an de mention complémentaire, donc ça en un an, donc voilà. Donc je l'ai obtenu aussi, j'ai arrêté, et là bah, du coup j'ai du travail. Après j'ai eu, tu sais parler combien de langues? Donc je sais parler une, on va dire deux langues avec l'anglais, enfin l'anglais j'ai galère un peu, légèrement l'allemand, donc on va dire deux et demi, ouais. Hein. On va dire deux en mélangeant l'anglais et l'allemand, quoi. Qu'est-ce qui m'envie de... Enfin, qu'est-ce qui m'envie de faire YouTube, de faire des vidéos sur YouTube, donc tout simplement les gars, enfin les gars, les filles aussi, c'est que bah, je sais pas, j'ai envie de faire ça pour le plaisir, pour m'amuser avec les gens, pour me distraire un peu avec les gens, pour apprendre à connaître des gens aussi également, pour faire des bonnes rencontres. Alors j'en ai fait des très bonnes, donc ça c'est très cool. Donc voilà, vous avez votre réponse les potos. J'ai eu, est-ce que tu veux faire des vidéos avec des autres youtubeurs ou des autres personnes? Donc oui, j'ai l'intention d'en faire une, comme j'ai dit dans mes projets 2018, j'ai l'intention d'en faire une avec Inertie. Donc Inertie qui avait une chaîne de 2000 abonnés passés, maintenant il est redescendu à 700 parce qu'il s'est fait strike. Donc je compte toujours sur lui pour faire une petite vidéo avec. Donc voilà, donc vous le savez, après normalement j'ai un autre youtubeur aussi qui m'a contacté il n'y a pas très longtemps, Opax, qui a 600 ou 700 abonnés je crois. Donc voilà, donc il y a de grandes chances que je fasse des vidéos avec eux, donc il y a de grandes chances aussi que vous voyez des vidéos arriver sur ma chaîne avec eux, donc voilà. Alors après j'ai eu la question, as-tu des projets hors YouTube? Donc oui j'ai des projets hors YouTube, donc des trucs bah, à moi par rapport à mon travail tout ça, donc j'ai des petits projets comme ça. Donc voilà, donc ça sera à découvrir par l'avenir. Après pour la chaîne YouTube, si vraiment vous voulez savoir, j'ai des projets aussi, il y en a un que je voulais faire qui ne pourra pas se réaliser parce que malheureusement ils ne le refont pas cette année, c'était le concours des casses à sable. Malheureusement je pourrais pas le faire, j'aurais bien aimé, ça aurait été fun sur la chaîne. Donc j'aurais pu me filmer ma caisse à savon, la préparation de la caisse à savon et tout. Mais malheureusement normalement ça n'arrivera pas, j'ai des réponses à la fin du mois, donc du coup vous devriez avoir des réponses aussi. Surprise motherfucker. Alors après j'ai vu dans quel métier es-tu ou tu étais, donc je sais pas vous mentir, je vais vous dire ce que j'ai, par quoi j'ai commencé, vous allez me dire ouais c'est de la merde. Donc j'ai commencé en tant que fleuriste, en stagiaire fleuriste parce qu'avant j'adorais ça. Au final ça m'a dégoûté, donc je suis parti en stage en boulangerie et j'ai kiffé complètement, du coup bah, maintenant je suis toujours boulanger, j'ai mes deux diplômes comme je l'ai dit tout à l'heure, donc voilà. Après j'ai eu une question très 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 importante, donc vas-tu faire des rencontres abonnés? Normalement c'est prévu pour la Paris Games Week, donc je ferai une rencontre abonnée pour la Paris Games Week, donc franchement je compte sur vous pour que
vous veniez les gens, j'y arrivais. Donc voilà, donc on se donne sûrement rendez-vous pour la Paris Games Week, il y aura une vidéo pour que tout soit redit en résumé, donc voilà, ne vous inquiétez pas. Alors voilà les potos, j'ai répondu à toutes vos questions, merci d'avoir participé à la vidéo FAQ, ça fait plaisir. Donc je compte sur vous pour lâcher un petit pouce bleu, pour me dire ce que vous avez pensé des réponses, si ça a été assez clair ou pas, sinon bah, je vous redirai quoi dans les commentaires si vraiment ça n'a pas été assez clair. Je compte sur vous pour revenir sur les prochains lives, les prochaines vidéos, et surtout n'oubliez pas de partager, c'est super important les potos, n'oubliez pas les 2500 avant la fin de l'année, je sais que vous en êtes capable. Et on n'oublie pas les potos, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour les réponses du tirage au sort du prochain modo et de la carte PCN de 20 euros. Je vous dis à la prochaine, c'était Niamor. Peace, à bientôt les potos. Everybody ask me how I know.